علماء الإسلام Les savants de l'Islam. Les savants de l'Islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'Islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie et les activités de Hunayn ibn Ishaq, un savant polyvalent du 9e siècle, un humaniste très attachant, un bourreau du travail, qui a consacré toute sa vie à la science. Il naît en 808 en Irak, dans une famille arabe de la tribu des Ribat. Les membres de cette famille avaient embrassé le christianisme bien longtemps avant l'avènement de l'islam. Son père était un droguiste ou un arboriste qui vendait des plantes médicinales à Hira, l'ancienne capitale du royaume arabe des Lahmides, qui était, jusqu'au milieu du 7e siècle, un état tampon allié au pouvoir sassanide contre celui de Byzance. Et l'empire de Byzance avait, lui aussi, pour vassal, un autre état arabe, celui des Rassanides. Enfant, notre futur savant maîtrisait le syriaque, sa langue maternelle, et l'arabe, la langue parlée dans sa ville natale. À l'adolescence, le jeune Hunayn s'installe à Bassora pour se former dans différentes sciences qui s'étaient développées autour de la langue arabe, c'est-à-dire la grammaire, la morphologie, la lexicographie et les premiers éléments de la linguistique. À une date indéterminée, et après avoir acquis une solide formation dans les sciences nouvelles que je viens d'évoquer, il quitte Bassora pour Bagdad. Mais au lieu de poursuivre ses études auprès des grands maîtres qui enseignaient les sciences de la langue, comme on les appelait alors, il préfère se lancer dans la médecine et il décide de suivre les cours du célèbre Yohanna ibn Masawayh. Ce professeur avait eu le privilège de faire partie du groupe de médecins du calife al-Ma'moun. Parmi les activités qu'il préférait, il y avait la chirurgie qu'il n'hésitait pas à pratiquer malgré la réprobation de ses contemporains. Il était également connu pour ses opinions très tranchées et pour ses propos parfois très blessants. D'ailleurs, Hunayn aurait été l'une des victimes du caractère de son professeur. En effet, ce dernier aurait appris que son étudiant était originaire de Hira, ville dont il méprisait les habitants, parce qu'il prétendait qu'il ne savait faire que du commerce. Convaincu que son étudiant ne pouvait pas être un bon médecin, Ibn Masawayh lui a tout simplement interdit de suivre ses cours. Mais c'était sans compter sur la ténacité du jeune Hunayn. Refusant d'abandonner ses études de médecine, il décide de les poursuivre ailleurs. Il quitte alors Bagdad et s'installe à Alexandrie, ville qui était encore un foyer vivant de la tradition grecque et qui conservait dans les bibliothèques privées une partie de son héritage culturel et scientifique. Là, il se met à apprendre la langue d'Hippocrate et de Galien, les deux grands médecins de la tradition grecque, pour lire directement leurs ouvrages. Ayant acquis une excellente formation dans cette langue, il se met à traduire des textes médicaux. La qualité de son travail est remarquée par de grands médecins de Bagdad, comme Ibn Barthéchoua, qui lui commande de nouvelles traductions. Ses premiers succès dans ce domaine finissent par parvenir aux oreilles de son ancien professeur qui le contacte et qui l'autorise à poursuivre auprès de lui ses études de médecine. C'est ce qu'il fait avec brio, mais sans abandonner ses activités de traduction. Il est d'ailleurs tout à fait possible que ce sont ses qualités de traducteur qui lui ont permis de participer à une ou plusieurs missions à Byzance. C'était des missions financées par le pouvoir califal dans le but de rechercher et de réaliser des copies de manuscrits de la tradition scientifique et philosophique grecque. C'est en tout cas ce qu'affirme Ibn Nadim, le grand bibliographe du Xe siècle. Quoi qu'il en soit, cette activité de Hunayn va s'inscrire dans un projet très vaste, financé par des gens du pouvoir et par les élites. Ce sont donc des groupes de professionnels qui vont se constituer pour mener à bien cette tâche de longue haleine. Parmi ces équipes, il y a celle de Hunayn, à laquelle se joindront, un peu plus tard, son fils Ishaq et son neveu Hubaysh.
Une partie des traducteurs s'intéresse aux ouvrages de médecine et à ceux des grands philosophes grecs et de leurs commentateurs. Puis, d'autres disciplines seront concernées, comme l'astronomie, les mathématiques et la mécanique. Dans cette communauté, Hunayn a été celui qui a eu la plus grande production. En médecine, il a traduit seul tous les ouvrages disponibles des grands médecins de la tradition grecque et plus particulièrement ceux d'Hippocrate et de Galien. Pour prendre l'exemple de ce dernier, 94 de ses écrits ont bénéficié d'une version syriaque et 37 d'une version arabe de la part de Hunayn. En philosophie, ce dernier a commencé par traduire des œuvres de Platon, mais c'est aux ouvrages d'Aristote et de ses commentateurs qu'il a consacré le plus de temps. Comme traducteur de textes grecs, Hunayn était très exigeant et très scrupuleux. Comme il ne disposait pas toujours de manuscrits bien écrits, ou tout simplement lisibles, il faisait une première version arabe, avec les documents grecs qu'il avait, mais il continuait à chercher, parfois pendant des années, de nouvelles copies plus fiables. D'après son propre témoignage, on sait qu'il lui est arrivé de refaire une traduction une vingtaine d'années plus tard, après la découverte, par son neveu Hubeish, de nouvelles copies grecques de l'ouvrage déjà traduit. Tous ces éléments ont amené les bibliographes et les scientifiques des pays d'islam à considérer, à juste titre, que Hunayn a été le plus grand traducteur des ouvrages grecs en syriaque et en arabe. Mais il n'a pas été que cela. Il est lui-même l'auteur d'une riche production dans des domaines très éloignés les uns des autres, comme la médecine, la grammaire, la lexicographie, les phénomènes naturels, comme la lumière, les couleurs, les marées, l'arc-en-ciel, etc. Mais ce sont ses écrits sur des sujets médicaux qui ont eu le plus de succès, en particulier ceux qu'il a consacrés à la physiologie de l'œil et à l'ophtalmologie, comme les 10 épîtres sur l'œil et le livre sur les différentes pathologies de l'œil. Comme d'autres savants de son époque, Hunayn a fini par attirer l'attention des califes qui s'intéressaient à l'activité culturelle et scientifique de l'Empire musulman. Il a eu ainsi le privilège d'être invité par le calife Louafiq à des débats auxquels participaient des médecins et des philosophes. Sa notoriété lui permet d'être remarqué aussi par le calife Al-Mutawakkil, qui le nomme chef des médecins de la cour. Mais, d'après certaines sources, il n'a pas tardé à tomber en disgrâce, parce qu'il aurait refusé d'exécuter l'ordre du calife, qui lui demandait, tout bonnement, de lui préparer un poison pour éliminer un de ses ennemis. La contrariété du calife, alimentée par les intrigues d'autres médecins de la cour, qui étaient jaloux du statut de Hunayn, va aboutir au licenciement brutal de notre savant, à son emprisonnement et à la confiscation de sa bibliothèque. Mais les mêmes sources nous informent qu'il est réhabilité 6 mois plus tard, après avoir soigné et guéri le calife qui était tombé gravement malade. Hunayn retrouva alors son poste de médecin-chef de la cour, et il le gardera jusqu'à sa mort en 873. Il me reste à dire quelques mots sur la postérité de l'œuvre de Hunayn. Ses traductions des textes philosophiques sont restées une référence dans ce domaine, et leur contenu n'a cessé de circuler parmi les milieux spécialisés des grands centres scientifiques des pays d'islam, en particulier en Occident musulman. C'est également le cas pour ses publications médicales, qui n'ont pas été éclipsées par les contributions majeures des grands médecins des siècles suivants, comme Abu Bakr al-Razi, Ibn Sina et Al-Majusi. Deux d'entre elles ont circulé en Europe, à travers des traductions latines. Il s'agit de ses épîtres sur l'œil et de son livre intitulé « Les questions médicales » qui a été traduit à la fin du XIe siècle par Constantin l'Africain, un maghrébin qui a joué un rôle important dans la diffusion des ouvrages médicaux grecs et arabes en Europe. Nous savons aussi que, d'après les sources européennes, que le second ouvrage a fait partie du programme de formation des médecins des universités de Bologne, de Paris et de Montpellier, ce qui confirme encore l'importance des travaux médicaux de Hunayn. Kunna
مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.